There's none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you. Bonsoir tout le monde, nous sommes M. Loubert Verneau. Comme nous connaissons déjà grand pile d'organisations à but non lucratif qui travaillent dans le pays Baboïsite et en Haïti pour aider les frères et en Haïti. Eh bien, ces concerts-là sont un plaisir pour nous recevoir quelques membres d'organisations, nouvelles organisations qui sont en Atlanta, qui ont pour titre Joie dans le château. Alors, nous avons avec nous là Gilbert lui-même qui va présenter mon organisation. Bonsoir Gilbert, et c'est un plaisir pour nous gagner sur l'antenne et Channel Vibe TV. Alors, bonsoir, c'est un plaisir pour moi, vraiment, et remercier les téléspectateurs. Et puis pour nous partager un événement que nous avons fait d'ici dimanche prochain, l'Alliance Française. Mais avant de commencer, je vais me présenter quelques membres de l'organisation et avec les gens qui ont aidé nous comme volontaires dans Joie dans le château. Et à ma droite, c'est M. Jacques Jules-Mus qui est technique dans l'audiovisuel là. Jacques Jules-Mus, c'est un monde qui depuis longtemps que nous l'école ensemble et nous avons même bureau pour nous aider dans le mouvement ça qu'a fait et dans Joie dans le château. Alors Jacques, encore merci encore. Jacques Jules-Mus dans l'audiovisuel. Et à ma gauche, nous avons un membre qui dynamique et compétent et Nadej Désir Louis V qui c'est lui-même qui est responsable en sponsorship dans Joie dans le château et c'est lui-même qui a une idée qui résultat organisation a fait. Et ensuite là voilà nous avons un musicien très talentueux qui saute dans la zone Okaï, plus précisément dans le château, c'est Max Nensé et alors un ami de longue date et un ami aussi de la famille. Alors encore monsieur comme volontaire, merci encore pour tout support ça que nous apporté dans Joie dans le château. Bon, Gilbert, tout d'abord, pour un peu le monde qui suit l'interview, est-ce qu'on est capable de parler nous depuis que l'organisation a fondé et qui est l'objectif de l'organisation? Bon, et pour nous, c'est un camp que nous commençons d'ici 2 ans. L'an dehors au CAI qui est le château. Alors, nous, dans la zone dans sud, on est dans la zone Aniké, dans la zone Bonsalut, château situé presque à 800 mètres d'altitude. Et c'est un côté que Monseigneur Roméluz fait, et c'est là que nous avons retraité, et c'est là que Madame Laurence, avec famille, entreprend pour nous tourner la caille, pour nous bailler, pour ça, on support côté nous sortir, pour nous aider les gens qui sont dans la zone, spécialement les gens. Alors, depuis 2 ans, son organisation qui a fait un camp pendant 3 semaines, et nous avons honneur que nous avons 2-3 amis qui ont commencé par Nadej. Et puis en plus l'autre qui te vient aider nous l'encan ça. Mais je dis ça fait que m'a partagé message ça, c'est parce que nous t'ai commencé avec plus de 50 personnes et je dis nous avons plus de 150 personnes que n'a aidé l'éducation. Alors l'éducation on capable du détail mais venir ouais nous et dimanche 9 novembre, l'Alliance Française, dans Colony Square, et puis nous avons plus de détails sur ça. Ok, alors vous voulez dire que nous-mêmes, nous commençons l'organisation depuis 2 ans. Nous avons organisé, nous avons une extension là à côté de nous-mêmes. Nous membres organisation, nous ne pouvons pas faire pour nous seulement, ça nous va prendre raising samedi, dimanche prochain. Parlez-nous un peu de prendre raising ça. Bon, et son invitation que nous lançons pour une donation pour tout Haïtien, parce que nous toujours entendons que il y a une organisation qui ont un paquet de bagages en Haïti, mais nous-mêmes, dans chaque monde qui sont dans la localité, nous avons un ami Jackie, qui est mon marchand. Nous avons Nadej qui sont de côté de Port-au-Prince. Nous avons Max et tant d'autres qui sont en Caille. Côté que nous avons un modèle que nous avons présenté pour nous qui sont dans le pays, pour nous cabaye Timounio, et spécialement une autre option. Et organisation bon but à long terme, côté que ce n'est pas un joueur dans le château quelqu'un seulement, mais puis devant, nous avons que dans plusieurs localités. Alors c'est ça que mission nous et que nous avons fait dans le court terme. Ok. Vous connaissez tout, il y a un pile d'autres activités que Timounio met sous pied et dans notre bois. Est-ce qu'on peut parler un peu de ça? Bon, et joyinchateau basé sur un système très simple. L'éducation, l'éducation, l'éducation. Chaque fois que nous passons à Timounio, c'est parce que nous venons remarquer que là, nous faisons camp pour une première année, quand ça prend à peu près 3 semaines, et le premier 5 ans que nous devons faire, nous venons réaliser que là, nous tournons nous-mêmes dans le pays, nous tournons dans le travail, nous, qui ça pour nous faire Timounio? Alors, c'est de là que nous réfléchissons à travers fondatrice, alors Madame Karine Romelus Cavalier, qui a rejoint nous dans l'organisation comme membre fondatrice, côté que son éducatrice qui voulait mettre un autre système côté que nous avons un impact à long terme. L'accès vraiment sur l'artisanat, nous montrer Timounio comment s'il fait des bagailles qui pas permettre et l'autre option comme des colliers. Et collier ça est sorti avec des boîtes de carton recyclables. Donc son aspect écologique, il y a un aspect côté que nous apprenons Timounio minimum base anglais. Nous avons Timounio chance tout pour consacrer la santé, l'hygiène, qui m'ont bosser dans eux. Et nous avons Timounio et aussi ça relève un moyen pour joindre l'amour. Parce que modo nous c'est Madame Nadej, modo nous c'est laugh, learn and play. Alors nous commençons avec jouer, avec play and learn. Alors, Nadej, je voulais expliquer ça. Est-ce que Nadej, vous avez ajouté quelques mots? Donc oui, mot play, laugh and learn, c'est une idée pour bâtir un environnement que nous connaissons que tout le monde est intéressé pour l'apprendre là-dedans, qui ont déjà motivé tout le monde pour l'apprendre. Donc l'environnement nous permet tout le monde pour les joindre gaieté là-dedans, pour joindre joie là-dedans, pendant ce temps pour l'éduquer, pour lui apprendre, et quand Gilbert dit là, pour nous bâtir une opportunité, une option. Alors, c'est ça que nous portons dans le château, tu vois, et donc c'est là que play, la fin de l'année sortie. Bon, bon, les gars, tout le monde qui suit l'interview, qui est déjà intéressé à l'organisation, est-ce que vous gagnez, qui a aimé supporter, est-ce que vous êtes capable d'avoir un numéro de téléphone, vous êtes capable en contact avec vous, et puis vous êtes capable de nous? Oui, et nous avons rejoint joyinchateau.org, sur le website, nous avons un téléphone, c'est 770-402-3333, et nous avons contacté nous de plusieurs façons avec Mambio. Parce que ce n'est pas un bagage que nous avons fait pour juste une localité. Nous voulons que nous étendre sur plusieurs zones et chaque monde qui t'a participé venir plus d'informations sur ça. Donc pour le programme que nous avons, nous avons honorable que nous avons musicien nous Max Nensé qui a parlé nous que titre apport que la portée dans ça. Bon, salut tout le monde qui a regardé. Bon. Contribution dans le fundraising, c'est musique. Nous connaissons depuis la musique, la conscientisation. Donc, nous disons merci tout le monde d'avance qui a venu. Et puis, non seulement ça, on dit que mon éducation est définitivement joie dans le château. il y a un gros emphase sur l'éducation, donc nous comptons pour tes contributions à ce à tout. Merci. Oui, comme dit ça, oui, nous avons 20 ans à enseigner aux États-Unis, dans la science. Donc, je pense que l'île là, et son bail comme d'ap chercher une organisation comme ça, pour me contribuer, parce que nous pensons que l'île là, comme si pour nous commencer à garder la canne, pour nous s'en capoter tourner. Bon, il semble que Jacques a quelques mots à ajouter. Bon, ça m'a rajouté à très simple. Ça l'a fait, c'est être la potée, on sait le petit monde. Dans le pays, nous, qui pas une série de moyens, il n'y a pas de moyens pour aller à l'école, il n'y a pas une série de besoins que nous avons essayé d'aider avec eux. Donc, nous avons fait un fundraising ça dimanche prochain, le 9. Nous avons demandé à la communauté à venir en foule pour supporter l'initiative. Tant pis, venez tendre plus de ça, nous avons fait notre château avec Simon Sayo. Merci et partons-nous dimanche prochain. Ok, bon Gilbert, est-ce que vos derniers mots avez ajouté? Mon dernier moment à m'ajouter, c'est que nous avons demandé que le NAP dit que nous avons un fundraising, ce n'est pas seulement une donation financière, mais nous avons demandé que nous avons un pensée spéciale. Tout. Les gens qui ne sont pas là, nous avons demandé que nous avons une prière pour que ça n'a pas fait continuer, parce que ce n'est pas facile. Et c'est de tout cœur que nous avons fait, encore une fois, ce sont avec des volontaires. Et volontaires, ce n'est pas les gens que nous-mêmes n'a cherché, mais c'est monde qui viennent avec comme si avec on appelle. Alors ma première c'est tout le monde ça d'abord et n'a prétendre tout le monde pour d'avoir plus détails sur joyinchateau et le dimanche 9 novembre à 2h30 dans Alliance Française 1190 dans Colony Square dans Midtown Atlanta. Thank you. Encore une fois, pas oublier, rendez-vous c'est dimanche prochain à l'Alliance Française, côté pour nous sortir en grand nombre, supporter l'organisation qui a bon travail. Bon travail qui dit le pral vers nous, mais cette organisation commence à faire. Alors encore une fois, pas oublier, rendez-vous à l'Alliance Française dimanche prochain. C'était Loubert qui était là ensemble avec l'organisation qui est pour titre. Mais il faut m'annoncer tout que, mais nous sommes volontaires avec nous là, Loubert Verneau qui répond à l'appel avec deux tout cœur et c'est lui-même qui a monitorer, m'ka dit MC d'honneur là, dans la soirée. Ok, merci Gilbert. Déjà, encore une fois, nous avons tout le monde de supporter comme ça. C'était Loubert ensemble avec l'organisation, nous avons souhaité tout le monde qui a suivi l'organisation, nous avons et nous souhaité l'organisation, ça, bonne chance. Bonsoir et merci. He loves me. Even when I fall beneath his wings. He loves me.